De quoi parle l'étrange, mais passionnante, série policière britannique privée, que la chaîne Arte diffuse à compter de ce 1er février 2018 à 20h55. Arte démarre privée ce 1er février 2018 à 20h55 une nouvelle série policière britannique. De quoi s'agit-il? Le pitch. John Rivet, Stellan Skarsgård, inspecteur de police, ne se remet pas de la mort d'une de ses coéquipières Stevie Stevenson, Nicolas Welke. Il s'en remet d'autant moins que Stevie vient le visiter. Non sous la forme de fantôme, mais de vision maladive. Autre problème, Stevie n'est pas la seule défunte que Rivet voit. Toutes les victimes des crimes qu'il n'a pu résoudre viennent le retrouver. Rivet sait bien que ses projections sont le fruit de ses troubles obsessionnels. Des troubles qui affûtent son flair de policier, mais menacent de le faire mettre à pied si un psychiatre de la police l'examine d'un peu trop près. Un acteur connu. Le comédien suédois qui incarne John Rivet, Stellan Skarsgård, est depuis longtemps un chouchou des seconds rôles d'Hollywood et un des acteurs fétiches de l'art ventrier. On a ainsi pu voir le comédien aussi bien dans Elle à poursuite d'Octobre Rouge que dans la saga des Avengers, l'adaptation cinéma de Millennium, Pirates des Caraïbes, Dogville, Amistad ou Breaking the Wave. Pourquoi seulement maintenant? Rivet a été diffusé sur la BBC One britannique en octobre 2015. On n'avait pas pu l'avoir auparavant en France, car Netflix avait obtenu fin 2015 une exclusivité temporaire dessus pour ses clients. Une saison 2. Sauf grosse surprise, Rivet durera le temps d'une unique saison en 6 épisodes. Interrogé fin 2015 sur la possibilité d'une suite, Stellan Skarsgård n'y voyait d'objection a priori. Mais le comédien expliquait à Digital Spy, je ne vois absolument pas comment on pourrait poursuivre la série. Massi Abimor, dont la scénariste de Rivet, aussi auteur de La Dame de Fer, et de Demour vient me voir avec une idée brillante pour continuer, je serai, bien sûr, intéressé. Diaporama réalisé par Arabelle Combet.